Gospel Cross. Notre Dieu est un Dieu de paradoxes. Là où il n'y a rien, il peut créer. Il est Jéhovah Jiré, le Dieu pourvoyeur. Il avait pourvu un bélier pour Abraham. Pierre n'avait pas de quoi payer l'impôt. Il a dit, va à la mer, jette la meçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras une pièce de monnaie. Alléluia. Celui que nous adorons, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Celui que nous adorons, qu'est-ce qu'il ne peut résoudre? Il n'est pas limité, il est tout suffisant. Ne vous en faites pas, avec lui tout est possible. Notre Dieu est un Dieu de paradoxes. Notre Dieu est un Dieu de paradoxes. Il fait des choses qui dépassent notre demande humaine. Là où l'homme s'arrête, c'est là qu'il commence. Aucun cœur n'est difficile pour lui. Ne limitons pas Dieu. Il n'est jamais en retard. Ce que les hommes peuvent faire en mille ans, lui, il le peut en un jour. Il peut restaurer les années que tu as perdues. Toutes les années que le Hasil, le Gélec, la Sauterelle ont dévoré. Alléluia. D'après la médecine, quand une femme atteint la ménopause, elle ne peut plus concevoir ni mettre au monde. Cependant, dans la vieillesse, Sarah enfantait un fils à 90 ans. Que dirions-nous de ceci? Notre Dieu est un Dieu de paradoxes. Notre Dieu est un Dieu de paradoxes. Fait des choses qui dépassent notre demande humaine. Là où l'homme s'arrête, c'est là qu'il commence. Aucun cœur n'est difficile pour lui. Lazare était déjà parti dans un long voyage, voyage de 4 jours. Dans le séjour des morts, la décomposition du corps s'était déjà installée. Les gens avaient perdu l'espoir, ils ne croyaient plus le revoir. Le spécialiste des cas impossibles, que Jésus le ramène à la vie. Tous furent étonnés, tous furent stupéfiés. Notre Dieu est un Dieu de paradoxes. Notre Dieu est un Dieu de paradoxes. Il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Là où l'homme s'arrête, c'est là qu'il commence. Aucun cas n'est difficile pour lui. Dans le désert où il n'y a rien, il pourvut la manne pour son peuple qui était là en exode. Tandis qu'il ne savait plus que faire, il est le Dieu créateur, le Dieu surnaturel. Notre Dieu est un Dieu de paradoxes. Notre Dieu est un Dieu de paradoxes. Il fait des choses qui dépasse l'entendement humain. Là où l'homme s'arrête, c'est là qu'il commence. Aucun cœur n'est difficile pour lui. Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques?
Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves et vous n'avez pas de l'argent pour le leur acheter? Le pot est-il vide chez vous et la cruche à peu près sèche? Êtes-vous un rétrograde? Êtes-vous un pécheur? Vous qui êtes condamné par la médecine, notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Soyez seulement certains de lui. Florence Nightingale était atteinte du cancer qu'il avait tellement rongé jusqu'à la rendre comme un squelette. Elle fut rétablie de 20 kilos à 70 kilos. Ce fut un tonnerre pour le diable, tonnerre pour l'enfer. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Là où l'homme s'arrête, c'est là qu'il commence. Aucun cas n'est difficile pour lui. Gospel Cross.